Bonjour. Oui, bon, mon parcours chez Eiffage Construction, ça a commencé très exactement en 1985 en tant qu'intérimaire, jusqu'à fin de l'année 85. Ensuite, je me suis fait embaucher le 6 janvier 1986. Et depuis, bah, je suis toujours. Ça fait 35 ans, 36 ans avec l'année intérimaire. Que j'ai commencé à travailler en tant que manœuvre sur le chantier. À l'époque, il y avait, tout le monde pouvait conduire la grue. Donc, les maçons avaient besoin de briques, de mortiers. Le grutier n'était toujours pas là. Ah, donc, je sautais sur le piano. À l'époque, c'était des grues à piano. Et ça m'a plu. Dès que j'ai touché cette grue, ça m'a plu. Et puis, je me suis consacré pour la grue. Pas à cette époque-là. À cette époque-là, tout le monde pouvait conduire la grue. Tout le monde touchait à la grue. Celui qui a besoin d'une palette, allait la chercher avec la grue. Et celui qui a besoin d'un panneau, il allait l'accrocher lui-même. Donc tout le monde touchait à la grue. Donc il n'y avait pas une vraie formation spécifique comme aujourd'hui. Donc on apprenait sur le tas et voilà. On m'a envoyé tout de suite en 86 à l'Athlète Boudemont, près de Mâcon. Et là-bas, j'ai fait une vraie formation de grutier, avec un diplôme, jusqu'à ce qu'il y ait eu ce nouveau CACES. Donc voilà, et tous les 5 ans, donc, on fait un recyclage. Grutier, c'est à la fois facile et difficile. Facile lorsqu'on maîtrise parfaitement la grue, lorsqu'on a de l'expérience, on sait gérer son chantier parce que c'est le grutier qui gère le chantier, c'est pas les chefs d'équipe, c'est pas le chef de chantier. Le chef de chantier, tout ce qu'il veut, c'est que tout le monde a du travail et que ça ne gueule pas et que personne ne chôme. Toutes les équipes, ils ont de quoi faire. Et donc, et ça, ça fait partie du travail du grutier. Et elle est difficile lorsqu'on est grutier débutant. C'est vrai que c'est difficile, c'est pas facile de gérer un chantier. Et là, c'est un peu la pagaille parce que on sait pas par où commencer, ça gueule dans tous les coins de chantier. Les chefs n'aiment pas ça parce que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y a du calme et que tout le monde a du travail. Et c'est vrai que parfois, c'est très difficile parce que surtout quand on a d'autres grues aux alentours et on est paniqué, on sait pas par où commencer, ni par où passer et on est bloqué. En 35 ans de carrière chez Eiffage, c'est la première fois qu'on rentre en intempérie un mois de juillet.